sur papier Genèse chapitre 1er, verset 23. Non, Genèse chapitre 2, verset 22, 23 et 24. Je lis Genèse chapitre 2, 22e, jusqu'au 24e verset. Jusqu'au 24e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Merci. Genèse chapitre 24, 3e, 4e et 5e verset. Genèse 24, 3e, 4e et 5e verset. 3e, 4e, 5e. Merci. Et je te ferai jurer par l'Éternel, les dieux du ciel et les dieux de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu de quels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la joie de tout un chacun. Amen. C'est toujours un plaisir de revoir mon bien-aimé Nito. Toujours bien habillé. Merci beaucoup. Mon bien-aimé Simba, je te vois également aujourd'hui. La femme de papa Léon également. Merci à papa Léon qui est le col. Tu sais, j'étais en train de me dire la semaine passée. Parce que toute la semaine, je n'ai pas vu Papa Léon se connecter. Alors je me suis dit, est-ce que ce n'est pas sa femme qui décourage ses frères? Est-ce que moi, c'est le thème de l'autre qui s'est dans les réseaux sociaux pour tout ça? Dieu soit loué. J'ai compris pourquoi Paul avait dit. Et chacun est sa femme. Mais si c'est possible de rester célibataire, c'est possible. Parce que quand on est célibataire, on a tout le temps pour servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Commençons par quelques communiqués avant de commencer. Donc, ça, on va bien dire, balance, il y a un côté là. Le culte chaque mardi en ligne. Et de chaque mardi, vous allez vous sembler là, dans le téléphone. De 20h à 21h. Vous allez vous voir de 20h, 21h, aussi d'ici. Il est invitant. Nous regrettons que ce sont toujours les mêmes personnes qui se connectent. Et toujours comme ça, parce que les autres essayent de vous connecter parce que c'est pendant la semaine que nous prions intensément. Parce que nous prenons une heure de prière. Je voudrais également dire à tous ces gens qui chantent pendant que nous prions là. Que c'est un désordre. Quand on donne l'intention de prier, attitude de prie. Amen. Il y a d'autres personnes pendant qu'on prie. Il y a des places ici devant, mon frère. Il y a d'autres personnes pendant qu'on prie. Et là, nous l'entendons en train de chanter. Nous comprenons que tu as
le souffle est très court. Parce que tu ne lis pas beaucoup les écritures. Si tu es un grand lecteur des écritures, tu ne peux pas te fatiguer de prier. Parce que la Bible dit, quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Donc nous comprenons que la prière doit venir de la loi de l'Éternel. Donc prenez l'habitude de ne pas chanter quand nous disons que nous prions. Vendredi, nous avons prié de jeûne. Depuis le matin jusqu'à 16h. Nous nous connectons à 9h. À midi. Na moi. Et à 15h. Et le soir à 20h, nous sommes encore connectés. Na poko ape na 20h, tu sur la 4. Donc quand nous venons dimanche comme ça. Nous venons pour un culte d'adoration. Donc ce n'est pas un moment de prières intenses. Amen, amen. Je voudrais demander aux musiciens de ne pas manipuler les instruments. Laissez peut-être que nous l'avions installé comme ça. Et je demande aux gens. Parce que le boîtier là, il est petit. On ne peut pas connecter 8 micros sans fil dans une salle comme ça. Donc 6 micros suffisent. 4 pour les chantres. Un autre micro pour celui qui fait les leads. Comme la sœur. C'est là aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et quand tu sais que tu conduis les cultes avec nous, il faut aussi te mettre en prière. Il faut aussi aller préparer qu'est-ce que nous allons chanter. Parce que quand Israël déplaçait l'arche, il déplaçait avec les chants de Lévites. Donc les chants de Lévites étaient importants pour que l'arche se déplace. Et l'adoration est mauvaise. Vous sentirez que même le prédicateur a des difficultés pour entrer. Voilà pourquoi je vous avais dit. Le chantre ne peut pas être des gens qui pêchent. Donc vous les jeunes filles, avec vos histoires de concubinage et de copains, je vous chasserai dès que j'ai passé. Nous ne chantons pas comme des stars. Ce n'est pas parce qu'on a une belle voix. Nous chantons pour que l'onction soit communiquée. Voilà pourquoi j'avais dit, je ne te vois pas dans la prière. Tu ne chanteras plus. Ce que j'ai dit restera comme ça. C'est papi. Les gens qui ne se connectent pas, oh, bah, vous venez, so, koye, ne prends pas de micro. Kosi, mano, micro. Parce que moi, je te le dirai en public. Na, koye, bisa, yo, li, bosu, na, bande, bande. Donc si tu veux chanter, so, ko, lingo, ye, ma. Connecte-toi pour bon, que tu puisses. Nous ne sommes pas les groupes de prière. Hein? Et Tosalio, Massaga, bah, les gens viennent, donc ils viennent aller pêcher. Ils veulent nous chanter. Vous êtes nombreux. Faites une organisation. Puisque vous ne voulez pas vous organiser, nous allons vous organiser. 4 chantres par dimanche suffisent. Donc 4 aujourd'hui. Si vous êtes nombreux, les autres 4 vont chanter. Même si tu chantes sans micro, tu bénis les noms d'Israël. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, mon longue, ça va bien. Amen.
Ceci est très très important. Les choses que nous faisons sont spirituelles. Amen. Pour que les gens viennent comme ils viennent comme ça. Amen. Sache qu'il y a des gens qui mettent leurs genoux à terre. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu prêches bien, parce que tu connais les gens. Non, je vous informe qu'il y a des gens dans cette assemblée qui mettent les genoux à terre chaque jour. Pour que toi tu viennes enseigner, tu peux croire que c'est par ta volonté que tu viens. Mais nous avons une écriture qui dit: personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par moi. Donc il n'y a que Dieu qui peut vous attirer. Mais cela n'est possible que par la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais regardez dans la Bible aujourd'hui. Parce que nous commençons un enseignement sur le mariage consanguin. Voilà, tiens ça. Je finirai probablement le premier week-end du mois de novembre. Premier week-end du mois de novembre. Parce qu'en hiver, je ne vais pas venir ici. Donc, et puis ça, ce n'est pas mon église locale. Et puis mon église locale ici à Ottawa. Est-ce que vous me suivez hein? Ici je suis visiteur. Mais mon église locale c'est à Ottawa. Amen. Ton petit peu dans le monde. J'ai dit ça parce que il a un mot à l'obanana. Mathé a passé docteur Adela. Mathé a docteur et a passé Marcel. Je voudrais vous rappeler que nous sommes l'assemblée des saints. Donc l'église ne peut pas appartenir à quelqu'un. Il faut éviter d'avoir les regards sur un homme. Parce qu'un homme va te surprendre un jour. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Ce que nous vous disons, frère, c'est ça l'évangile. Si tu m'aimes bien, mais un jour je vais te surprendre. Mais comme tu as confiance à ma personne, tu risques de quitter l'assemblée. Or, le bien-aimé de Dieu, même quand le roi se détourne de la voix de Dieu, Israël reste dans l'assemblée. Amen. Un juif ne quitte pas Jérusalem, frère. Vous allez voir ce qu'on nous a expliqué les mariages. Même quand on est absent, comprenez que l'église du Seigneur continue. J'ai toujours aimé ce que Mardoché avait dit à Esther. La Bible dit qu'il y avait des troubles et on voulait tuer les Juifs. Mardoché est allé voir Esther. Il va voir le roi. Intercède à notre faveur. Esther va dire ceci: je ne peux pas aller chez le roi. Parce qu'il faut que le roi m'invite. Mardoché va rappeler à Esther. Il dit: tu ne sais pas pourquoi tu es devenu reine. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu es dans cette église. Parce que si tu savais la raison pour laquelle tu prendrais ces choses au sérieux. Esther avait pensé qu'elle est devenue reine à cause de sa beauté. Alors que Dieu savait que Esther devait se trouver là. Pour que le jour où les problèmes viennent, que Esther puisse s'intercéder. Je voudrais dire à quelqu'un: ta présence ici est un but. Dieu t'a placé là avec Jésus. Écoutez Mardoché. Il dit à Esther: si tu ne parles pas au roi, je voudrais te dire le secours d'Israël viendra d'ailleurs. Mais Dieu est capable, je sais. D'ouvrir un chemin. Non, il n'y avait pas de chemin. Dieu est capable.
il est capable à coquille, de faire tomber la pluie. Et pourquoi il s'aboule là où il n'y avait pas de pluie? Et c'est comme la vérité. Pourquoi un homme et à mon menton ne peut pas dire que je suis indispensable? Et t'es pas qu'un avec qui n'a dit on se casse dans la vérité. Je vous dis ces choses pour que vous sachiez que l'église n'appartient pas aux hommes. L'église n'appartient pas à des âmes, ni à papy, ni à ma sœur. Cette église est du Seigneur. Chaque jour, aujourd'hui, nous parlons la folie me monte dans la tête. Monte dans la tête. Parce qu'il y a des prédicateurs qui sont la folie monte. Et le bon même a dit Penza. Alors il commence à dire. Abani Koloba dit Lobé. Si ce n'était pas. Sauf qu'il a été. Je vous informe que pendant que Dieu regarde ça, il est encolé. Si on pouvait ouvrir les yeux, de voir comment Dieu est assis sur le trône, et la manière dont il te regarde, je crois que tu vas disparaître. Parce que l'écriture dit, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Donc quand il voit quelqu'un qui commence à pleurer, et il n'y a que lui, comme la Bible dit, il est le maître de tout. Et des circonstances. Il va créer une circonstance dans le temps pour que tout le monde sache que tu es un homme. Amen. Amen. Vous Amen. Savez, j'ai toujours dit, même au prédicateur. Même quand nous ne péchons pas, nous croyons toujours que c'est Dieu qui nous fait grâce. Mais si tu commences à dire, moi je ne pêche pas parce que je suis un homme, Dieu va créer une circonstance. C'est juste pour démontrer que tu es un homme. Avancez. Est-ce que vous voyez? Je voudrais encore dire une autre chose. Une autre chose. Tous les prédicateurs ne prêchent pas de la même manière. Amen. Tous les prédicateurs ne prêchent pas de la même manière. Il y a des prédicateurs qui marchent. Il y a des prédicateurs qui volent. C'est pourquoi quand Abraham sacrifiait les animaux, Abraham a sacrifié 5 types d'animaux. 3 animaux qui marchaient et 2 oiseaux qui volaient. Les 5 représentaient le ministère. C'est les 5 doigts de l'éternel. Et le ministre qui marche, c'est l'apôtre. C'est les pasteurs et c'est l'évangile. Les ministres qui volent, c'est les prophètes et c'est les docteurs. Et la Bible dit tout ça pour l'édification des saints. Donc s'il y a quelqu'un qui vous parlera de votre vie de chaque jour, c'est votre pasteur. Et sa prédication s'est veillée sur vous. J'aime ça. Il est merveilleux. Amen. Vous savez, frère, quand nous allons dehors pour prêcher, généralement, Dieu, quand il envoie dehors, il envoie l'apôtre et l'évangéliste. Même quand je suis docteur comme ça, si Dieu m'envoie en dehors de la maison, ce n'est pas le ministère doctoral qui va agir. Parce que si je prêche les révélations, personne ne va croire. On dit, c'est cette histoire-là. Dehors, c'est l'évangéliste. Et l'évangéliste, c'est un agent de vente. Ah, c'est un véritable agent de vente. C'est-à-dire, il va te donner le goût du produit. Il va te dire que, oh éternel, Dieu est bon. Il guérit ta maladie. Il te donnera de l'argent. Tu vas aller aux États-Unis. Toi, tu rêves comme ça. Ça, c'est l'évangéliste. C'est pourquoi les évangélistes sont très populaires. Parce que ce sont des gens qui savent attirer les gens. L'évangéliste ne va pas te prêcher la doctrine. À côté de doctrine, il te dit c'est pas que Jésus est bon. Si tu viens, il te sauvera. Que Dieu soit loué. L'apôtre, lui aussi, il va dehors parce qu'il doit te déraciner du monde pour t'amener dans la maison. Mais une fois que tu arrives à la maison,
Il faut que les prophètes montent au ciel. Le Seigneur les prophètes à Bouta. Qu'ils fassent descendre la nourriture du ciel. Et quand la nourriture est sur la table, le docteur a pour mission de couper en détail. Docteur, vous allez apprendre à couper, apprendre à couper, apprendre à couper, apprendre. Une fois que c'est coupé, le pasteur va se rassurer que tout le monde mange bien. Le pasteur va continuer à être battu, mais il va pas. Donc quand nous sommes dans l'œuvre comme ça, nous ne prêchons pas tous de la même manière. Docteur, calmez-vous, mes mon côté. Comme nous, les docteurs, on n'est pas trop en train de vous piquer. Nous sommes déjà les plus aimés dans l'église. Mais les pasteurs, on ne les aime pas beaucoup. Parce que lui va toujours te rappeler que ce que tu fais dans ces moments. La vie que tu mènes là, c'est pas bien. Là, tu vas commencer à dire les pasteurs aussi exagérés. Il faut comprendre le langage, c'est important. Non, parce que je ne touche pas ton péché. C'est pourquoi tu dis amen. Amen, amen, amen. Mais quand le pasteur vient, on continue à mon beaucoup. Est-ce que Marcel, il croit que nous sommes des employés de vanité? Comment ça? Comment ça? Tout est vanité. Non, c'est le pastorat. Amen. Même quand papy viendra, si vous verrez que c'est le pasteur. Et tant que vous voyez plus de la gataille, mon. Le mariage consanguin. Je n'ai pas beaucoup de temps parce que la semaine prochaine je suis aux États-Unis. Mais je vais quand même essayer d'introduire. Je voudrais d'abord rappeler à tous les frères qui n'ont pas encore doté. Oh non, on va payer ça, mon candidat. Il dit non, doté. Après ça, mon candidat. Un an, on va valider. C'est anti-doctrine. Hein, donc, hein? C'est anti-doctrine. C'est anti-doctrine. Il faut aller doter la femme. Et c'est lié au bal à moi aussi. Vous savez quoi ça dans les écritures? Arrêtez de regarder l'homme qui te donne des hamburgers qui n'a pas doté. Non. Tiga quand la mobile appelle ça comme mini bilo comme la mumé à balayo de bébé bébé. Et toi tu te sens bien? Bébé bébé. Bébé bébé non. Tiga mon colo. Je vais vous dire une chose frère. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit à Israël, Israël oui. Si tu mets en pratique mes paroles, voici les bénédictions qui te suivent. Donc la bénédiction hein, vient quand on met la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas parce que je te dis soyez béni que tu seras béni. Parce qu'il y a des soeurs qui sont comme ça. Sois béni. Hey, C'est pourquoi tu vois, il y a certaines prières qu'on ne peut pas faire. Et dans ma bonne émission, tu vois comme ça. Il y a des péchés ou des malédictions qui quittent. Et dans la malédiction, c'est le roi. Je ne sais pas accomplir la parole. Et ça ne demande pas compris. Et c'est un autre bon. Pasteur, je suis dans ma maison. Non, non, je ne marche. Mais la femme avec qui tu vis, tu n'as pas de. Est-ce que moi je suis dans le balai? Comprenez que vous aurez des combats chaque jour. Et je vous dis que quand Dieu a créé la femme, l'homme n'était pas là. Nous avons mis en quelle moquille. Moi, ça quand il a créé la femme, nous avons mis en quelle moquille. L'homme n'était pas là. Mon bal et tu ne sais pas ce que Dieu s'est dit. Avec la femme. Nous avons mis en quelle moi aussi. Tu ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Oui, puis tu t'es réveillé seulement. Oh, la main comme on dit. Lorsque mes hommes, chers de ma chère, un jour, cette femme-là te dira. Ah, si, voilà. Au balan, là. Elle est là. Elle est là.
Tu vas te fâcher pour rien. Moi, tu m'as femme. On va l'aider. Là, tu vas commencer à dire aussi qu'il faut m'impolir, non? Va y aller, papa. Elle n'est pas impolie, elle te dit la vérité. Va y aller, c'est de votre salon. Regardez bien, mes amis, dans le Seigneur. T'as là, ma ligne, amis, dans le Seigneur. Celui qui a créé Adam. Oh, et qui est là, Adam. C'est Dieu. Attends, Zabé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, Adam. Adam. Son père. Papa Naïe. C'était Dieu. Zabé, oui. Amen. Celui qui a créé Ève. Oh, et qui est là, Eva. C'est Dieu. Kaka Yahweh. Donc, le père de Ève. Papa Yahweh, papa. C'est Dieu. Kaka Yahweh, ouais. Est-ce que vous me suivez? Amen. Cela veut dire que Adam et Ève. Adam et Ève. Avec le même père. Bah, il est dans mon corps. Wow. Est-ce que vous me suivez? Voilà, qui suit-il? Est-ce que vous me suivez? Nous voulons expliquer les choses du royaume. Ici, nous expliquons le royaume des cieux. Des fois, tu lis, tu ne te rends pas compte. Adam et Ève avaient le même père. Adam et Ève étaient frères et sœurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est merveilleux, hein? Amen. Faites attention. Si y a un Congo ici. Si y a un Congo là. Je ne parle pas de la coutume des gens. Il faut pas sortir ici, non? Ça, c'est qu'il existe. Il nous demande d'aller épouser notre propre sœur. Quand Dieu fait ces choses, il y a une pensée de l'écriture qui est là. C'est pourquoi dans l'assemblée des saints, nous ne répétons pas seulement l'écriture. Nous répétons. Ensuite, nous donnons l'explication de l'écriture. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Donc, Adam et Ève avaient le même père. C'était frère et soeur. Je vais balancer encore la nuit. Avez-vous remarqué? Est-ce que que lorsque Dieu voulut créer, il est allé retirer la côte dans le corps d'Adam. Donc cela veut dire que quand Adam marchait, Ève était dans son corps. Ah, Ève était dans son corps. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc quand Adam marchait, Adam était dans son corps. En réalité, Ève était dans son corps. Donc quand Dieu ouvre la côte, il fait sortir Eva. Nous comprenons que Adam c'est la maman de Eve. Jusque là, je répète l'écriture. Parce que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Donc en d'autres termes, Adam Adam a accouché de Eve. Eve d'abord avec Eva. Mais par césarienne. Aïe, 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 aïe. Par la déchirure. Hein? Pour pas attaquer les autres. Que Dieu vous bénisse. Je vais exhorter un peu. N'a pas l'oeuvre. Adam n'a jamais demandé Eve. Adam n'a jamais demandé Eve. Il faut pas prêcher comme les gens disent. Il écoute bien. La Bible dit, quand Adam donnait les noms aux animaux, les années passées. Maintenant, quand Adam regardait, il a trouvé qu'il était seul. Alors Dieu a eu pitié de lui. Ah! La foule, poule. Les idées. Qui t'a dit que Adam était triste? Il faut respecter l'écriture. L'écriture dit que Dieu regarda Adam. Il trouva. Amona qui est bon. Il trouva. Qu'il n'est pas bon. Que l'homme soit. C'est pourquoi même quand Adam mangeait les fruits, il a rappelé à Dieu. Il dit Dieu. C'est toi qui l'as mis ici. Non? La femme que toi, tu as mis ici. Donc il a rappelé à Dieu, je ne te l'avais pas demandé. Mais moi, je suis au Pesakinga. Papa.
Que Dieu soit loué. Amen. Quand tu épouses une mauvaise femme, ce qui obéit moi si tu vas commencer à accuser les gens tout le temps. Tu vas m'faire battre la langue et moi ça. Bon, tout le temps tu ne feras qu'accuser. Ce qui obéit moi ça m'avait. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce n'est pas pour rien. Et ça n'a pas maté. Que Dieu est allé prendre la femme dans le corps. Zambé a quitté comme il s'est moins sinon mon pandi y a Adam. J'ai dit tantôt que Adam, était la maman de Eve. Adaki maman ya Eva. Mais Adam, c'était aussi le père de Eve. Adaki père tata Eva. C'est pourquoi quand Eve venait, quand Eva venait quoi, quand Adam la regarde, quand Adam la regarde, il dit voici l'os de mes os. Tala mikua ya mikua na ngai. Chair de ma chair. Monsunia monsunia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Adam. Adam, il s'est vu dans Eve. Azalaki katina, abimonaki katina Eva. L'homme doit se voir dans la femme. Moi, c'est que l'homme katina moi, mobali na Eve. Non. Mobali, c'est que l'homme mona katina moi. Donc l'homme, mobali, doit se voir dans sa femme. Et c'est que l'homme mona katina moi si na Eve. Mais la femme, mais moi si, ne peut pas se voir dans l'homme. Alors qu'il mona katina mobali te. Amen. Donc tu n'as pas encore saisi. Bonani, tu es dans Eva. Pourquoi? Parce que la femme est créée à l'image de l'homme. Ah, moi c'est à quel âge il est ligué à mon bali. Mais l'homme n'a pas été créé à l'image de Dieu. Moi, mon bali à quel âge il est ligué à moi cité. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi dans une maison. Il y a mon acte dans la. Quand on regarde la femme de Dieu. Je te tais moi ça mon. On doit voir son mari. Au contraire, regardez mon bali naïe. Dans les comportements. Le lega mon bali. Dans les attitudes. Le lega mon bali. Le lega mon. La femme doit identifier à son mari. Moi, si Ezekiel Azal a le lengue à Mobali. Cela veut dire que l'homme doit poser son empreinte sur la femme. Ezekiel a tia et l'homme au cas qui n'a moins si naïe. Et j'allais dire qu'on a cas qui n'a moins si naïe. Je vais changer ça d'une autre manière. Et n'a pas le vraiment le lengue à Mobali. C'est-à-dire que l'homme doit se déverser dans la femme. Ezekiel a cas qui n'a moins si naïe. Quand on regarde la femme, quand on t'a dit moins si naïe, on dit bien comme son mari. Et Azal comme Mobali. Pourquoi? Parce que le frère Paul dit le mariage terrestre est un mystère. Par rapport à Christ et à l'église. C'est-à-dire que nous, l'église, comme femmes, quand on nous regarde, on doit voir Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ et Christ. Première base de mariage. L'homme doit être le chef. Il doit commander dans sa maison. Frère, les femmes qui prennent les dessus sur eux, vous finirez par divorcer. Parce que la liste de l'homme est une vous avez la défense. Il y a la base. Nous allons dans une réunion de famille. Dans la famille de l'homme. Ils sont assis. On discute des questions de famille. Son mari n'a même pas encore. On va aller dans la lobité. Tu tournes là-bas. Radio. Oh, on a tout ça, boy. France Inter. Non. Bon côté de moi. Dis qui dit ça. Écoutez. Yoka. Tu peux donner ton avis. Encore une fois, mais c'est là. Tu me lances l'homme à tout de parler. Des fois tu penses que ça vient de lui. Mais pourtant ça vient de la femme. Parce que Dieu a fait en sorte que la femme parle avec douceur. Avec sagesse. Non. Dès qu'on vous regarde comme ça, tout le monde sait que cette femme domine cet homme. Oui, attends, oui. Attends, papa, c'est pas faute. Ce n'est pas l'évangile. Et toi, femme aussi. Quand tu es en public, c'est un effort. Qu'on sache que tu es une femme. Amen. Amen. C'est pourquoi la femme a été tirée dans le corps de l'homme. Pour qu'elle soit l'image de son mari. Ça, c'est la doctrine. Mais dans la révélation, c'est pour que nous, l'église aussi, que nous soyons à l'image de notre mari, qui est Christ et Jésus. Donc nous comprenons que Jésus, quand il était sur la terre, il était enceinte. Amen.
Quand Dieu regardait Adam, Dieu a vu un homme enceinte. Parce que quand il regardait, Dieu a vu Eve dans le monde. Donc en d'autres termes, Adam était enceinte. Adam a été enceinte. Dieu a observé, la Bible dit que Dieu trouva. Ça veut dire que Dieu a eu un temps d'observer. Est-ce que vous voyez ça? Donc il a eu le temps d'observer. Et il trouva. J'aime ça. C'est-à-dire que Dieu a regardé premier mois. Deuxième mois. Troisième mois. Il trouve qu'il y a d'être arrivé au deuxième mois. 9 mois. Maintenant Dieu trouva. Il doit accoucher. Et c'est que la bonne. Là, tu n'as pas encore vu. Hein? Ouais, non, mon Dieu. Tu verras ça bien. Oh, comprends, le frère Paul dit. Paul a dit. Le premier Adam était une figure du deuxième Adam. Il y a un deuxième Adam. Qui est Jésus. Est-ce que vous me voyez? Amen. Maintenant, quand Jésus vient sur la terre, voyez ça, il m'a rendu. Tout le temps qu'il faisait son ministère, Jésus, Dieu regardait. Alors, un jour, Pierre va dire à Jésus, toi, tu ne mourras pas. Jésus, vous savez, mon frère, quelqu'un qui te dit que tu vas pas mourir, tu vas dire Amen. Il suffit seulement que je donne un verset ici. Tu ne mourras pas. Je suis tenté de lui dire que. Allez, c'est dans beaucoup faté. Lui dit que moi j'ai Satan. Ah, on a Satan. Arrête de moi Satan. De moi Satan, ça nous a bon. Vous savez pourquoi? On est bon ami. Parce que Christ n'est pas mouru. Yesu soka kufa kite. C'est-à-dire que l'église ne veut pas naître. L'église de l'église est bimakée. En d'autres termes, Christ était en grossesse. Et d'ailleurs, on a dit que s'approchait au jour de son accouchement. Alors quelqu'un va dire mon roi, ça y est, je ne peux pas accoucher. Non. Jésus dit non. Donc il y a une roi, Satan. Je porte dans mon sein. On a donné la carte à l'église. Une femme. Moi aussi. Parce que l'église, c'est la femme de Jésus. Et nous prenons-nous dans cet évangile. Nous confessons. Que la femme, moi aussi, c'est l'enfant du mari. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ma femme, c'est mon enfant. Et moi aussi, Azali, moi, la je donne des ordres, elle obéit. Et tant qu'on a dit, il faut tout ça. Et tant pour aider les enfants. Tu peux monter, descendre, c'est ça le bâtiment. Il est à Bongo, Mathéa. Ils ont une dictature. Mathéa, il est à Bongo. Trudeau peut me pardonner. Trudeau, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les contre les femmes. Ici, c'est l'évangile. C'est pourquoi vos maisons vont être en paix. Ah, oui. C'est que nous prêchons ici. C'est le socle de la paix dans une maison. Quand l'homme donne des ordres, il ne donne pas les ordres dans l'idée de dominer la femme. Les ordres, c'est pour montrer les chemins par lesquels nous allons marcher. Parce que ça, Dieu nous a appelés. C'est lui qui nous montre les chemins. C'est lui qui nous dit allons comme ça. C'est pourquoi Christ pouvait dire je suis le chemin, la vérité. Si tu veux le suivre, tu dois obéir. Amen. Oui, nous montons, nous descendons. On attrape Jésus. Vas-y, Jésus. Vous savez, j'aime ces choses. Vous savez, quand on était en train de juger Jésus, en réalité, c'était les sages-femmes qui observaient pour vérifier. Parce qu'il y a encore combien de centimètres? Toute la nuit, là. Il vérifie les centimètres. Est-ce qu'il va coucher bientôt? Est-ce que vous trouvez que. J'aime ça. Et toute la nuit, Jésus n'a pas dit, parlez seulement.
Parce qu'il était dans les douleurs de l'enfantement. Va chez Pilate. Pilate regarde. Il reste 12 centimètres. 12 centimètres. Non, envoie-le chez Caïphe. Il va chez qui? Caïphe. Il va chez Caïphe. Caïphe dit, oh, la poche des eaux ne s'est pas retirée. Envoie chez Anne. On était en train d'observer une femme qui va accoucher. Lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il ne reste que peu de centimètres, ils ont dit maintenant, prenez-les. Allez les mettre sur le lit de la maternité. On amène Jésus. On le place sur la croix. Écoutez l'évangile. La croix, c'est le lieu où nous sommes nés. Nous nous comprenons. C'est que la croix, c'est un lit de maternité. Quand Jésus monte sur le lit, l'hôpital. Les docteurs arrivent. Docteur, oui. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il fait des choses avec une précision. À ça, là, ma gamme, la précision. Parce qu'il avait déjà fait ça avec Adam. Pour mon égard, on a là-bas. Les docteurs arrivent. Docteur, oui. Il observe. Il dit, bon, comme tu as des difficultés pour accoucher, nous allons te faire accoucher par césarienne. La Bible dit qu'un soldat romain va prendre un soldat romain, c'était Dieu qui opérait. Regardez, frère. Une personne est côté de toi. Or, la Bible dit, dans le jardin, Nous disons, avions été accouchés. Entre ciel et terre. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes nés d'en haut. C'est pourquoi la Bible dit, nous qui sommes en Jésus, notre vie est cachée en Jésus. Dans les lieux saints. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quand les diables te poursuivent, il ne peut pas t'atteindre. Mais quand il te lance des flèches, ça ne tombe pas. Quand ta vie est cachée dans les lieux, la Bible dit, celui qui a vu a rendu un témoignage vrai. Il a vu le sang et l'eau. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bon, faisons un peu de. Tous, un peu de la chimie. Hein? Alors, chimie. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un? Si on m'en a moto. Blessé. Azoki. Tu vas voir l'eau. Moi, Maï. Et le sang. Ah. Il n'y a que la plaie. Il n'y a que la plaie infectée. Comment la pota au ici est une microbe. Qu'on voit l'eau. Mais celui qui vient de se blesser. Azoki. On ne peut pas voir l'eau. Mais celui qui a vu ça, il dit, moi, j'ai vu l'eau et le sang. Nous confirmons. Jésus est une femme. Amen. Oui, Jésus est une femme. Parce que quand une femme veut accoucher, le premier témoignage, c'est la bouche des os. Regardez, je vais finir. Non, il y a aussi ça. Alors, Dieu conduit Abraham. Nous allons venir à Abraham. Abraham va avoir un fils. Ah, vous allez, alors moi, non. Dans sa vieillesse. Non, qui m'en connaît, moi. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'Abraham a eu son fils dans la vieillesse. Et ça, pas matin, il avait été Abraham, avec moi, là, qui m'en connaît. Tu poseras la question après les cris. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que Zapa Mate Kebi Lobiete que
Agaï et Abraham a eu sa femme dans la déesse. Et Abraham a joué qui, moi c'est là qui m'occupe. Je vais répondre à la question parce que c'est écrit dans la Bible. Non, pour répondre comment la Bible. Quand Dieu a visité Abraham, il dit Abraham, ta femme, moi c'est la vie. La prochaine, vous n'avez pas. Aura un fils. Aubota. La Bible dit que Sarah écoutait derrière la porte. Sarah va aller voir. Parce que c'est l'habitude des femmes. Bah si la ligne, moi voyo yoka. Ça c'est vraiment l'habitude des femmes. Moi qui suis sur mon pied. Toujours derrière la porte. Azo yoka yoka. Même quand tu es au téléphone. Attends de sonner. Non on sonne. Sonne la nani. Tu parles avec qui? Là vous vous êtes retrouvés. Ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont. Allez bagarre ni on sort. Nadin. Donc t'as pas l'idée. Ça ne te concerne pas. Et t'as dit que tu es sur la naïve. Non, non, non. Oh. Vous avez. Non, non, non. Même les jours où Isaac a voulu bénir Esaou. Oui, oui, oui. Mon collègue a béni Esaou. Il a fait Esaou. Je vais te bénir. Non, vous parlez. Il me dit que. Rebecca est là. C'est l'habitude de la femme d'écouter derrière la porte. Je vais vous inviter. Qu'est-ce que c'est écouter derrière la porte? Il y a beaucoup de révélations ici. Il y a beaucoup de révélations ici. Celui qui écoute derrière la porte, ouais, ma porte ouais. Qui va être sauvé. Ouais. La révélation se trouve en écoutant derrière la porte. Ouais. Parce que si Rebecca n'avait pas écouté, so, okay, Jacob n'allait pas avoir la révélation. Oui, 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 oui. Alors, Abraham, il va dire Abraham. L'an prochain, je vais dire. Sarah écoute. Sarah, écoutez maintenant ce que Sarah, yo, réaction, Sarah. Va dire. C'est qui elle? Moi. Non. Qui suis devenu. Ah, je coco. Est-ce que vous me Amen. Il n'a pas fini là. Ah, si, si, vous devez. Il est allé jusqu'à toucher son mari. Hein? Ah, mais lui aussi, Abraham. Yo. Il est aussi devenu vieux. Où est-ce que donc, en d'autres termes. Sarah confirmé. Sarah, mon ami. Quel enfant qui va naître. En tout cas, ça ne va pas être le désir de la chair. Et dans la parce que Sarah dit aurais-je encore le désir. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'enfant qui naît là, il ne vient pas par le désir de la chair. En d'autres termes, la chair était déjà morte. C'est pourquoi pour naître de nouveau, il faut que la chair puisse mourir. Amen. Est-ce que vous me donc c'est ça le fils de la vieillesse. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu n'es pas encore vieux, tu n'as pas de place ici. L'église a besoin de vieillards. Les gens dont la chair ne les intéresse plus. Les gens qui. Tu vois, quand on est devenu vieux. Regarde. Vous savez, quand on était jeunes, nous avions des regards. En d'autres temps. Tu sais, quand on était jeunes, quand tu regardes la petite comme ça, la petite. C'est la jeunesse. Là, tu vois. Oh, bon, on va filmer le monde. Les jeunes ont des regards partout. Bah, j'ai mis ou quoi pour quoi? Ils se font partout. Nous t'en regardons partout. Mais quand on devient vieux, maintenant, mon commun paca. Les yeux assoupis. Tu peux passer ici. Non, les gars. Tu vois un vieux papa. Tu peux passer ici, mal habillé. Tu m'as il ne va pas. Attends, qui est passé là? Non, les gars. C'est pas l'homme. Justement, entendu là-bas. Non, parce que les vieux, les yeux, ah, mon, ne voient plus. Ah, l'église a besoin de vieillards. Quand les gens qui regardent, c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre. Il dit Pierre. Quand tu deviendras vieux. Ah, donc Jésus avait compris que Pierre était jeune. Mais par rapport à l'âge, Pierre était plus vieux que Jésus. Oui. Vous pensez que Jésus parlait de la vieillesse? Non! Il regarde Pierre! Physiquement comme ça, Pierre était plus âgé que Jésus. Mais Jésus disait, toi tu es jeune. Le jour où tu deviendras vieux. Parce que pendant que nous parlons ici, tu es un jeune.
Parce que Pierre était jeune. Et tu as attaqué l'église. Jésus lui pose la question. Yes, à tout. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Yes, Olinganga. Je t'aime, Seigneur. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Olinganga. Je t'aime, Seigneur. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Yes, Olinganga. Pierre s'énerve. Ah, tu le sais, non? Oui, bien moi. Tu sais que je t'aime? Tu vois les jeunes, hein? Jésus est en train de laver les pieds des disciples. Il arrive chez Pierre. Pierre. C'est ça. Tu as lavé mes pieds. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi ça n'est à côté? Jésus regarde Pierre. Il dit bon, si je ne te lave pas les pieds, tu ne prendras pas ton royaume. Il dit ah bon, c'est un bon royaume. Lave-moi tout. C'est compliqué. Donc vous voyez Pierre. Donc il voulait que Jésus pousse les amis. Comment l'homme va se connaître? Il vient comme ça. L'esprit de la jeunesse. Ah, on vient arrêter Jésus. Parce qu'il avait déjà dit à Jésus que tu as dit de moi. Malgré que Jésus lui a dit à rien de moi, Satana. On n'a pas écouté. On vient arrêter Jésus. Ah, yes. Il veut sortir le couple. Le couple n'aurait pas dit de Malikos. Ça, c'est moi qui vais dire ça maintenant. C'est ce que je dis, c'est le couple. Attendez-vous. Oh, Pierre. Mais faites-le. Non, quand je t'avais appelé, tu étais pécheur. Avec ton couteau. Avec ton couteau. Donc tous les temps que j'ai marché avec toi, tu as toujours été là. Donc Pierre dit quand il sortait les marchés. Kuluna. Kuluna. Ah mon Dieu. Il y a des frères comme ça. Nous prions ici pendant des années. Mais il a toujours un couteau. Il est un couteau. Il m'en a couteau. Il va me sentir. Mais lui, il a toujours son couteau. Qu'est-ce qu'il pense? Il y a aucun ami. Parce qu'il vient me chercher en voiture. Il y a un voiture, c'est quoi? C'est le crédit. Le jour où j'achète, il dit ça. Cette église-là. L'église, voilà. Il faut se prendre la tête. Pour prendre le Seigneur, pour ma soupe, la coiffure que j'ai. La belle, s'il voit ça. Ce qui a moyen. Béli, mon panga. Kuluna. Pierre, quand tu deviendras vieux, écoutez ce que Jésus dit. Pour démontrer comment Pierre va devenir vieux. Il dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu conduisais tes pas où tu voulais. Donc celui qui conduit ses pas, c'est un jeune. Même s'il a 70 ans. 70 ans. Tu verras un vieux. Au moins, il y a un. Beaucoup de bagages. Mandez vos pépés. M'écoute dans sa bouche. Malheureusement, les anatines. Jeune bébé. Jeune. Toi, 70 ans. Lutte contre la vieillesse. Jeune bébé. Les jeunes premiers là. Ce n'est pas l'âge. C'est le désir de lâcher. Il a bon temps, ton cas. Il est toujours béni, le bébé. Il est toujours béni, le bébé. Il est toujours béni. Quand tu deviendras vieux. Quand on commence pas là. On te mettra la ceinture à la hanche. Voilà, ma continue, on va venir qui ceinture dans l'enquête. On te traînera là où tu ne veux pas. Merci, celui qui t'a mis la ceinture à la hanche. Il est plus fort que toi. Celui qui va commencer à te tirer contre ta volonté. Oh, la vieillesse. Mais mon baka. C'est avoir le Saint-Esprit. Dans celui qui a le Saint-Esprit. Ne conduit plus. C'est pas comme il veut. C'est le Saint-Esprit. Vous connaissez la vérité. Et la vérité. Oh, la vérité. La ceinture. La ceinture. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il connaît Christ. Pendant qu'il vit encore dans les péchés. Nous comprenons que tu ne connais pas la vérité. Parce que tu es la vérité. Il allait te conduire là où c'est. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il
Il appelle son serviteur le plus ancien de sa maison. Parce qu'Abraham n'a pas envoyé Eléazar. Donc ce n'est pas écrit comme ça. La Bible dit qu'il a envoyé son serviteur le plus ancien. C'est l'écriture que nous avons. Amen. Je veux que vous m'écoutiez. Il avait les fils de la promesse. Mais quand arriva le moment pour les fils de se marier, je veux que tu me souviennes. Je voudrais vous faire remarquer que le besoin de se marier n'était pas monté dans le cœur d'Isaac. C'était monté dans le cœur de son père. Amen. Ce n'est pas le fils qui avait moi, dit, je voudrais me marier. C'est le père. Et papa, il regarda le fils. Il trouva Amoni, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ah, nous jouons au jeu de ping-pong. Donc, même pour que Adam puisse avoir Ève, l'idée n'est pas venue d'Adam. C'est Dieu qui est cette chose montée en lui. Il lui regarde, il lui dit, tu dois te marier. Quand on est parent, c'est le parent qui décide quand est-ce que l'enfant doit se marier. Je ne parle pas aux filles. Je parle aux garçons. Je parle aux garçons. Je parle aux garçons. Je parle aux garçons. Parce que dans notre pays, c'est l'homme qui épouse la femme. Pas le contraire. Pas le contraire. Parce qu'il y a des femmes poussées. Il est dès qu'on les drague seulement. Il ne peut plus dormir. Ah, voilà, il commence à prendre son argent. Ah, comment vous avez il commence à prendre ses comptes. Ah, est-ce que ma loukiou avec la bolingo. Fais-moi un virement de dessin. Aboaki, interact. Fais un virement de sexe. Aboaki. Achète-moi Samsung S20. La femme ne fait pas de cadeaux à un homme quand il n'est pas son mari. Moi, si à faire un cadeau, mon mari, ce qui n'a pas la réalité. Un profiteur. Là, tu vois, fais les équipes. Cette fille-là travaille, hein? Koso. Comment? Faut la joie. Tu vas la prendre. Elle travaille. La canette est taillée. La canette est taillée. Là aussi, tu poses la question. On ne t'est pas écrit. Amen. C'est ce que je vous dis là. C'est solo, c'est la vérité. Ça va vous aider pour vivre dans le mariage. Vous comprenez? On a connu des frères. Eh, Mazali. Oh, petite, ça va? Eh, ça va. Tu n'as pas à manger? On va piger. Vous arrivez au comptoir. Ok, n'importe quoi. Ah, oh, je crois que j'ai oublié ma carte. Ah, où t'as vu? Est-ce que tu peux payer? Je vais te rendre. Donne ça, donne ça. Mouyibi. Avançons. Toi, tu as marché jusqu'à Igéa. Non, la carte. Qui savait pas que tu as oublié ta carte? Non, ça le dirait, ma. Mouyibi, dans ça, t'es. L'idée de se marier doit venir du pays. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà fait le jardin. Il a tout mis dans le jardin. Mais là, il prend l'homme. Il le met comme responsable. Donc Adam, il avait déjà tout. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un pauvre ne peut pas se marier.
Oui. Amen. Même David a refusé ça. Dieu ne me fait pas trop riche. Je peux que je m'éloigne de toi. Mais ne fais pas de moi aussi. C'est pourquoi je vais te maudire. Si tu manques même 5 euros, mais quelque chose ne va pas. Au Congo, tu as manqué 5. Au Canada, tu manques 5. Viens, on va te délivrer. Non, si tu es là, viens. C'est pas vrai. On demande une offrande. Toi-même, 20 dollars, tu n'as jamais donné. Au Congo, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Même 20 aussi, tu n'as pas. Non. On va te délivrer. Frère, qui manque 20 dollars? Non, 20 dollars. Viens, on va te prier pour toi. Viens, si tu n'as pas 20 dollars, toi, tu n'as jamais eu 20 dollars. Non, si, bah, non, 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 tu as commencé ça avant de te marier. Tu peux où ma casse au rebond quand elle a bandit au rebond. Ne partage pas. Et puis, quand tu vois un homme qui s'aime beaucoup, ta maman va aller à Mini, c'est un mauvais. Il y a même des hommes. Viens, mon prêtre. Tu vois un homme qui dit, il dit à sa femme, je suis plus beau que toi. Tu es malade, hein? Oh. Tu es malade? Yo là, t'as dit que moi, je suis bon là. Ce que je vous dis là, Dieu ne peut pas mentir. Tu vois un homme qui s'aime beaucoup. Ou même quand il marche. Je l'ai l'eau. Qui caille? Va souffrir dans la maison. Yasolo. Il est capable. La poudre. Voilà, va pas ici. On aura le temps. Il y a des hommes. Un homme avec un maquillage. Avant, il m'a faut des têtes. Avant ça. Je vais laisser ça au pasteur. Nous sommes au Canada. Nous sommes au Canada. Il fait beau. Et là, qui doit pas vrai. Pourquoi tu veux devenir sinon? Pourquoi? Bon ami. Je vais vous dire la vérité. N'est-ce pas? Vous savez quand on vieillit? Surtout, comme Nicolas. Tu vas regretter. Vous regrettez. Dieu a donné avant que Dieu ne donne la femme à Adam. Et Yambonzaba pèse à moi c'est pas mal. Il a d'abord donné à Adam le bien. Après ça, il a le besoin. Donc Adam, il avait déjà la gestion du jardin. Donc un homme responsable a droit au mariage. Mon bal est responsable, c'est qu'il est à Bala. Quand tu es irresponsable. Si on est irresponsable, tu travailles pas. Incapable d'acheter une chemise. Oh, sans ma chemise, chaussures, non. Ça va tout de suite. Mais tu veux draguer une femme. Nous comprenons que c'est le désir de la chair. Vous allez vous et je répète ce que j'ai toujours dit. Quelqu'un te drague. Va voir ton père. S'il n'écoute pas, venez me voir. Yahweh, vous appelez pas. Venez voir les pasteurs. Nous allons convoquer les frères. Est-ce que tu viens pour sortir avec la fille d'aujourd'hui? Si tel est le cas, tu es un impudique. Nous allons dire à tout le monde, il y a un loup ici. Il est venu pour manger les brebis. C'est pour votre bien. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. On n'aime pas un homme parce qu'il est beau. Il y a des femmes bizarres. Cet homme-là, il est beau. Tu mangeras la beauté. On épouse un homme responsable. Et on épouse un homme responsable. C'est-à-dire qu'Abraham, il avait regardé Isaac. Il a vu qu'il a déjà assez de bien dans sa maison. Maintenant, il dit, allez trouver une femme qui et pour prouver qu'il y a des biens dans sa maison, il donne des biens
aux serviteurs. Quand le serviteur est arrivé pour rencontrer Rebecca, pour la Rebecca, il n'a pas dit à Rebecca, tu vois, Isaac, il a des chinois. Non, il marche comme ça. Il a seulement donné les biens. Alors, automatiquement, il a mis les bijoux. C'était pour dire, dans la maison de mon maître, il ne manque de rien. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est-à-dire que Dieu, il fait en sorte que l'homme, avant de se marier, il faut que l'homme puisse avoir les biens. Cette chose est prophétique. Il dit aux disciples, je m'en vais chez les pères. Vous préparez une place. C'est-à-dire dans la maison de mon père. Tout est arrangé. Alors je viendrai. Je vous prendrai. Là où je suis. Que vous y soyez aussi. Amen. Là où je suis. Que vous y soyez aussi. Là où je suis. Que vous y soyez aussi. Que vous y soyez aussi. Moi aussi, je suis l'homme. Amen. L'homme ne suit pas la femme. La Bible dit, l'homme qui tera son père, ça cachera sa femme. Voilà comment quelqu'un interprète ça. Il pense que c'est ça. Il va l'habiter sur la femme. Je vais vous donner un conseil. Si vous prenez la maison du gouvernement, si vous n'avez pas le gouvernement, et que la maison est au nom de la femme. Et comment moi aussi. Appelle ta femme. Et moi aussi. Allez avec elle au gouvernement. Qu'en est, on ajoute également. Ah, ah, amen. Faites, c'est ce que je vous dis là. Faites-le. Amen. Parce que généralement, ici, on donne aux femmes vite. Mais ce que je vous dis, dès que tu te rends compte, on a déjà donné. Ça, moi, il va faire si déjà. Gloire soit à ton Seigneur. Vous avez la maison. Maintenant, allons ajouter mon. Okay, comme ça, comment on appelle. Nous allons arriver. Je suis son mari. Nazari, on va dire. Mettez mon nom dans cette carte. Oh. Amen. Oui. Sans quoi? Amen. Tu perdras le temps. Amen. Ce que je vous dis là est vrai. Il y a tout un esprit dans ce pays. Nazari. Un esprit. Vous savez, je finis par là. Parce qu'on va continuer. Toi aussi, ça me comprend. Vous savez pourquoi on doit regarder quelqu'un et dire oh mon Luba. Pourquoi dire ma carte dit quoi dans mon Luba? C'est-à-dire, il y a un esprit qui identifie un peu. Même s'il fait semblant. Attends, il y a un esprit qui identifie un peu. Il y a un esprit qui identifie un peu. Il y a un esprit qui identifie un peu. Chaque territoire. Territoire ni ensemble. Ah, des principaux. Tu verras une femme qui était bien au pays. Au moins, la dit, madame, on a payé. Une bonne chose. Moi, si madame, dès qu'il arrive, dans ma commune, si elle n'est pas enseignée, à ceux qui agissent, ma tête à tête, ma tête, la chambre, la chambre, la bonne voile. Parce qu'il y a des principaux. Et la bongo, ma tambour, ça fait naïve, bande d'âme. N'a pas l'air de coutume d'abord. Va mettre ton nom. Quel est le chat comme on a eu? Comme ça, tu peux aussi te lever dans la maison. Hein? C'est chez toi. Hein, pas là, yo. Ce qui t'est. Aïe. Donc, il faut t'en avoir. Tu payes. L'état est libre. Je connais un gars à Toronto. La monnaie de vous, David de Bon à Toronto. Je vais finir par là. Ah, aussi, ça va. Ça, c'est pas une prédication. Et là, Mathéa, t'es là. C'est la prédication. C'est l'un des bonnes. J'ai une assistée à Mathéa. La femme sort. Moi, c'est Mimi. Elle rentre à 2h du matin. À 2h du matin. Tu feras quoi? Au salaire. Je te pose la question. Ceux qui m'ont soit béni. Ceux qui 2h du matin. Elle rentre à 2h du matin. Au salaire. Tu feras quoi? Au où tu vas faire? Parce que tu ne peux pas la taper. Au BTT. Tu tapes, tu vas en prison. Au BTT, ok, prison. Tu grondes. Au Gangi. Violence verbale. Ils ont des termes, hein? Tu peux même pas gronder. Pourquoi le battre? Violence verbale. 500 mètres. 500 mètres. Où est-ce qu'on va faire? Donc tu ne peux même pas hausser les dents. Donc tu vois comment le système est bizarre. Amen. Donc et puis la femme sait aussi. Hein? Si tu essaies et puis. Non, tu sais même pas. La vérité. Ah, Congo. Là, tu commences à regretter Congo.
L'homme ne pouvait rien faire. Bien aimé dans le Seigneur, voici l'importance de se marier dans la famille. Amen. C'est ça le mariage consanguin. Pourquoi Ève était sortie dans le corps d'Adam? Parce qu'ils avaient le même sang. Amen. La femme, c'est qui tu le fais là? Moi, c'est lui qui sait. Tu as deux mots. Elle est là, 18. L'homme a perdu le côté. Il en est. Violence. Vous voyez les enfants que vous voyez là? On a vu ça à l'école. Ça commence à monter papa. Ben, la police. L'enfant. La chambre là. Allô? Papa est en train de taper maman. Maman de baby. Et dit, pendant que c'était la police, entend le bruit de la maison. La police débarque. D'accord. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Il faut avoir peur d'une femme en colère. Il faut pas ramasser la cadre. Une femme en colère. J'ai toujours dit au frère, quand tu vois la femme en colère, sois. Kené, Kené. Va prendre de l'air. Kené, t'es à moi, bah. Si il m'a dit, les gens, nous va faire sa mort. Ah ouais, va, Kené, pas. Bon, monsieur. Madame a dit il faut que tu. Bon, madame, est-ce qu'il peut récupérer? Ah, je vais aller se tu vas. Parce que la maison n'était même pas à son nom. Comment elle est là? Déjà, la maison est payée par le gouvernement. Quel est ce pays ici? Ce pays. Oh, mboka modèle. Ce pays ici. Oh, mboka oye, mboka oye. La femme travaille comme toi. On lui donne la maison. On paye sa maison. Maintenant, si elle ne connaît pas le Seigneur, elle est embêtée. Tu ne feras pas. Oui. L'homme prend ça. Moi, c'est mon bel asile. Ah, Congo. Tu vas rendre combien de la base? Là, on cherche les femmes. Et ici, c'est les femmes qui me cherchent. L'homme prend ça. Il va. Il va. Il va. Si tu m'as commencé à le marier. L'homme est parti. Accueilli. Vous voyez les femmes? Quasi. Trois semaines après, il s'est calmé. Elle a communiqué. Trois semaines après. Elle appelle les messieurs. Allez, les messieurs. Ah non, bah, n'a pas eu. Ta 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 ta. Et puis ça. Non, tu n'as pas où aller. Là, c'est des. Chérie, je te pardonne. Et c'est quoi qui est là? Non, mon âme. Elle était absente pendant. Les gars étaient absents pendant trois semaines. Vous savez, la police, les policiers, quand ils te chassent de la maison, ils appellent de temps en temps pour vérifier que la femme est normale. Alors les policiers ont appelé. Mais quand ils appellent, ce n'est pas neuf. C'était le numéro 54. L'homme était chez lui à la maison. Il voit le téléphone sur lui. Oui, allô? Les policiers disent, toi c'est qui? Lui dit, lui aussi dit, mais toi c'est qui? Autorité, tu appelles chez moi quand il raccroche. Mais tout le monde, le temps que je n'étais pas ici. Il y a quelqu'un qui appelait. Papa, quand vous m'avez coupé la bête. Pendant ce temps, la police est en train de venir. Azuyaka. Comment vous voulez? Et là. Moi, les douceurs, non, tu il s'est souvenu qu'on l'avait chassé. Il rentre sous les lits. Ce que je vous dis là, c'est une histoire vraie. Il rentre sous les lits. Ne prononcez pas. Oui, monsieur. Oh non, il n'est pas ici. Non, 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 non. On vient de la voir au téléphone. La femme, on prend la femme. Vous êtes les enfants. On prend le mégaphone. Monsieur. Nous te demandons de ce qui est Guillaume Bima. 1, 2, 3. Le vestibule va sortir. Le Bima. Prends la primogène ici. Ma boîte. Sauf si tu le bébé. Maintenant, la femme a commencé. La femme voulait expliquer. Oh non, c'est mon mari. On s'est réconcilié. Bien, bien, bien. Si vous vous réconciliez, il faut passer à la police. Viens à la police, ah, oui. La police nous dit que vous êtes réconcilié. Tu vois? Oui. Épouse une païenne. Bala mon patan.
tu sentiras. Viens avec ton évangile là, non, je vais les chasser. Moi, je vais les chasser. Est-ce que c'est toi qui changes les gens? Non, cet homme-là, il est beau, il est gentil. Merci. C'est un homme gentil. Oui, gentil, Nanda. Bien éduqué. Même ses parents, quand tu vois. Quoi est l'Ibanda? Un païen. Un pacan. Même quand il est gentil. Attends, ça, gentil. C'est un païen. Alors, un pacan, oui. J'ai un gentil. Tu sauras. Le jour où il y aura des problèmes. Tant que tu verras la face que tu n'as pas envie. C'est pourquoi Abraham a dit, Abraham, allez prendre une fille dans ma famille. Amen. 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 Mariez-vous dans le Seigneur. Amen. Amen. Et l'Éternel vous soutiendra. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout. De télévision.